Bonsoir à tous. Nous sommes sur la chaîne de télévision Réveil TV et c'est l'émission Réveillez-vous. Nous sommes encore très ravis d'être avec vous ce soir par la grâce de Dieu pour partager la parole de Dieu. Merci de nous recevoir chez vous par vos écrans ou par le moyen d'Internet. On bénit vraiment Dieu et ce soir, une fois de plus, on va encore partager la parole de Dieu. Pas parce que nous sommes meilleurs, mais parce que nous voulons simplement nous encourager mutuellement, parce que nous voulons, par la grâce du Seigneur, mettre ce que Dieu met dans nos cœurs. Donc, je nous invite encore une fois de plus à la prière, et puis on prie que l'Esprit de Dieu nous enseigne. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité, Père. Merci encore pour toutes ces personnes qui me suivent et qui m'écoutent. Ma prière au Dieu, c'est que ta parole pénètre nos cœurs. Ma prière, Seigneur, c'est que ta parole change nos cœurs. Ma prière, Seigneur, c'est que ta parole nous délivre des impuretés, des saletés, Seigneur. Car nous voulons vraiment nous préparer à ton retour. Nous ne voulons pas fouler au pied ta grâce, Seigneur. Parle encore nos cœurs ce soir. Que ton esprit nous enseigne, que ton esprit nous édifie. Dans le nom de Jésus. Amen. Donc, comme on le disait, nous sommes à l'émission Réveillez-vous, voilà la chaîne de télé Réveil TV. Et ce soir, on va encore échanger la parole de Dieu. Alors, on va prendre nos Bibles sans plus tarder dans Luc, le chapitre 12. Donc, on est dans Luc, chapitre 12. On va lire à partir du verset 35. Luc, chapitre 12, on va lire à partir du verset 35 et je crois par la grâce du Seigneur qu'il va nous enseigner encore, qu'il va nous parler, qu'il va nous apprendre des choses nouvelles. Donc on est dans Luc, chapitre 12, à partir du verset 35. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Ici, on apprend une réalité, s'il vous plaît, gardons le passage sur l'écran, s'il vous plaît. Ici, il dit que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Donc, on apprend déjà deux réalités spirituelles ici en commençant. Nos reins doivent être sains. Lorsqu'on parle des reins sains, ici, nos reins doivent être revêtus de la ceinture de la vérité. C'est ça en deux termes. Donc, que vos reins soient sains parce que nos reins doivent être habillés par la ceinture de la vérité. Et vos lampes allumées. Donc ici, on apprend que nos reins, n'est-ce pas, doivent avoir pour ceinture la vérité. Et nos lampes doivent être allumées. Parce que justement, si nos lampes sont éteintes, on rate notre récompense. Si nos lampes sont éteintes, n'est-ce pas, on rate la récompense. Donc ici, que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Parce que vous rappelez-vous que Jésus disait qu'on est la lumière du monde. Et que si la lumière qui est en nous devient ténèbre, n'est-ce pas, on ne peut pas éclairer. Donc ici, les lampes que nous sommes peuvent être ou éteintes ou allumées. Donc ici, Jésus nous rappelle que nos lampes, nos reins d'abord doivent être sains par la ceinture de la vérité. On doit porter la ceinture de la vérité. Ici, on apprend que nos lampes, n'est-ce pas, nos vies doivent être allumées. Nos vies doivent être réveillées. Mais réveillées par quoi? Par la puissance de l'Esprit de Dieu. Réveillées par quoi, n'est-ce pas? Par la parole de Dieu. Comme l'indique le titre de l'émission, Réveillez-vous. Et le verset 36, et soyez semblables à des gens qui attendent que leur maître revienne des noces afin de lui ouvrir dès qu'il frappera. Donc ici, Jésus nous interpelle. Il nous demande, n'est-ce pas, d'être comme des. Qu'on doit être semblable à, n'est-ce pas, des serviteurs, à des personnes qui attendent leur maître. Pourquoi? Parce que comme Jésus l'enseigne, n'est-ce pas, dans Jean chapitre 14, le premier verset, que vos cœurs ne se trouvent point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il dit, il y a plusieurs demeures, il y a plusieurs maisons dans la demeure de mon Père. Et Jésus nous enseigne qu'il allait nous préparer une place et lorsqu'il allait revenir, n'est-ce pas, il viendra nous prendre. Donc, quelle doit être notre position? On est dans une position d'attente. Donc, il dit, soyez semblables à des gens qui attendent que leur maître revienne des noces afin de lui ouvrir dès qu'il frappera. Mais qu'est-ce qu'on constate, qu'est-ce qu'on réalise dans notre génération? Que beaucoup de chrétiens ne sont plus dans l'attente du Seigneur.
Beaucoup de chrétiens sont, n'est-ce pas, appesantis par le manger, par le boire, par la distraction, par l'oisiveté. Beaucoup de chrétiens ne sont plus dans l'attente du Seigneur. Donc ici, c'est Jésus qui parle. Un, nos reins doivent être saints par la ceinture de la vérité. Pourquoi? Parce que si la vérité, la ceinture, si la vérité n'est pas dans nos cœurs, on va croire au mensonge. On va croire à l'esprit de l'erreur. Donc ici, la notion, la première notion à retenir dans l'attente du Seigneur, c'est que nos reins doivent être saints par la ceinture de la vérité. Et nos lampes doivent rester allumées. Pourquoi? Parce que si nos lampes s'éteignent, c'est qu'il n'y a plus la vie de Dieu. On le verra tout au long du passage, du partage. Et la troisième chose que Jésus nous recommande ici, c'est qu'on doit être semblable à des gens qui attendent que leur maître revienne. Quelle est notre position actuellement? Est-ce qu'on est en position d'attente ou est-ce qu'on est en position d'assoupissement? Est-ce qu'on est en position de sommeil? Est-ce qu'on est en position d'endormissement total? Parce qu'ici, n'est-ce pas, nous sommes des esclaves de Yahweh. Nous sommes ses serviteurs. Et il est allé au ciel nous préparer une place. Il a dit qu'il allait revenir nous prendre afin que là où il soit, nous y soyons aussi avec lui. Donc notre position doit être une position d'attente. On doit attendre le retour du Seigneur. On doit hâter. On doit désirer le retour du Seigneur. On dit, n'est-ce pas, des gens qui attendent que leur maître revienne des noces afin de lui ouvrir dès qu'il frappera. Ici, on est encore dans l'introduction de notre partage. Verset 37. Bénissons ces esclaves que le maître à son arrivée trouvera en train de travailler. Amen, je vous le dis. Il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Oh Jésus! Ce verset m'excite véritablement. Le verset 37. Il dit, bénissons ces esclaves que le maître à son arrivée trouvera en train de travailler. Donc ici, la position d'attente, c'est une position de travail. Ce n'est pas une position de sommeil. Ce n'est pas une position de distraction. Ce n'est pas une position d'oisiveté. Jésus nous demande d'être une position de travail. Il dit, bénissons ces esclaves que le maître à son arrivée trouvera en train de travailler. Pourquoi? Parce qu'il y a des âmes à gagner. Parce qu'il y a l'œuvre de Dieu à faire. Il y a nos familles qui doivent être touchées par la parole de Dieu, frère. Mais quelle est ta position actuellement? Es-tu dans une position de péché? Une position de refroidissement total? Une position d'oisiveté? Une position où tu n'écoutes plus Dieu? Ici, on apprend qu'on est dans une position de travail. Bénissons ces esclaves que le maître à son arrivée trouvera en train de veiller. En train de veiller. Est-ce que toi tu es en train de... Est-ce que tu veilles encore? En train de veiller. Quelle est ta position actuellement? Est-ce que c'est le sommeil ou est-ce que tu veilles? Parce que veiller nous parle de quoi? Veiller nous parle d'attendre le retour du Seigneur. Il faut remettre le passage, s'il vous plaît. Veiller nous parle de quoi? Veillez nous parle, n'est-ce pas, de prier, de méditer, de racheter le temps. Veillez nous parle de quoi? Veillez nous parle, n'est-ce pas, d'être dans une position où on refuse de dormir. Parce que veiller, c'est le contraire du sommeil. Veiller, c'est le contraire de l'assoupissement. Ici, il dit, bénissons ces esclaves que le maître à son arrivée trouvera en train de veiller. C'est-à-dire que la position que Jésus veut pour nous, c'est une position de veille. Une position de veiller. Veiller ici, ce n'est pas dans l'aspect, n'est-ce pas, de ne plus dormir les nuits. Non. Mais c'est veiller par rapport à nos vies. C'est veiller à ne pas tomber dans le péché. C'est veiller à ne pas nous souiller. C'est veiller à ne pas nous compromettre. C'est veiller à ne pas falsifier la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que dans l'attente du Seigneur, il y a beaucoup qui perdent la notion de veiller. Dans l'attente du Seigneur, n'est-ce pas, il y a beaucoup qui s'endorment. L'endormissement peut nous parler de quoi? Du péché. L'endormissement peut nous parler de quoi, n'est-ce pas? Du fait d'avoir perdu la vision. Donc il dit, amen, je vous le dis. Il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Donc ici, on apprend quoi? Que ceux qui sont dans notre position de veiller, qui veillent et qui travaillent pour le royaume, qui veillent, n'est-ce pas, qui travaillent pour le Seigneur, seront servis par lui. Oh, le Dieu créateur, le Dieu tout-puissant, Yahweh, Adonai, Jésus, va nous servir lorsqu'il reviendra. Mais pour qu'il nous serve, il faut qu'on soit dans une position de veille, de veiller.
Veiller, c'est quoi? C'est attendre le Seigneur. Veiller, c'est quoi? C'est prier. Veiller, c'est quoi, n'est-ce pas? C'est refuser de se souiller. Parce qu'il dit quoi? Veiller et prier afin de ne pas tomber dans la tentation. Donc, veiller, n'est-ce pas, c'est le fait de ne pas accepter de tomber dans le péché, dans la tentation. Verset 38. Qu'il arrive à la seconde veille ou à la troisième veille, bénis sont ses esclaves s'il les trouve ainsi. Donc ici, on voit qu'il y a plusieurs veilles. On nous parle de la seconde veille et on nous parle de la troisième veille. On dit bénis sont ses esclaves s'il les trouve ainsi. C'est-à-dire, peu importe, n'est-ce pas, le degré des ténèbres, peu importe le degré de la nuit, peu importe le temps que ça peut prendre le retour du Seigneur, il dit bénis sont ses esclaves s'il les trouve ainsi. Donc, quelle position? Position de veiller. La veillée, n'est-ce pas, nous parle de l'attente, d'attendre le Seigneur. Verset 39. Or, sachez que si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Verset 40. Vous donc aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Donc ici, on apprend que le retour du Seigneur, que Jésus reviendra au moment où on ne pensera pas, au moment où on ne s'y attendra pas. Pourquoi? Au moment où on ne s'attendra pas. Pourquoi? C'est si on ne veille plus. Donc tous ceux qui ne veillent pas seront surpris par le retour du Seigneur. Donc ici, frère, je n'avais pas prévu parler de tout ce qu'on est en train de voir. C'est rien que l'introduction, parce que notre partage, ça part du verset 41. Mais ici, voilà, en lisant là, Dieu m'interpelle sur ces choses. On doit veiller, on doit attendre le retour du Seigneur. Verset 41 qui nous intéresse. Pierre lui dit, Seigneur, dis-tu cette parabole pour nous ou aussi pour tous? Verset 42, le Seigneur lui dit, quel est donc le gestionnaire fidèle et prudent que le maître établira sur les domestiques de sa maison pour leur donner la nourriture au temps convenable? Voici le titre de notre partage. Quel temps pour quelle nourriture? Le but de le thème de notre partage, c'est quel temps pour quelle nourriture? Ou encore le message du temps. Quel est le message du temps? Quel temps pour quelle nourriture? Donc ici, le verset 42, le Seigneur dit, quel est donc le gestionnaire fidèle et prudent que le maître établira sur les domestiques de sa maison pour leur donner la nourriture au temps convenable? S'il vous plaît, frère, vraiment gardons le passage sur l'écran, s'il vous plaît. Donc ici, on apprend qu'à chaque temps correspond une nourriture. Donc il dit, pour leur donner quoi? La nourriture au temps convenable. Donc chaque temps, pour chaque temps, il y a une nourriture bien précise. Pour chaque temps, pour chaque génération, il y a un message qui s'y est. Et quel est le message du moment? Ou quel est le message du temps? Le message du temps, c'est pas, n'est-ce pas, le message de Kakou Philippe? N'est-ce pas? Où il se fait passer pour être le Messie, pour le Messie. C'est pas ça le message du temps. C'est pas, il est minuit diabolique selon Kakou Philippe là. Mais si on apprend, n'est-ce pas, qu'à chaque temps, il y a une nourriture bien précise. Donc à chaque temps, il y a une nourriture. La nourriture, ce n'est pas la nourriture physique, c'est la nourriture spirituelle. Donc à chaque temps, convient un message. Ici, la nourriture nous parle de la parole de Dieu. La nourriture nous parle de quoi? Nous parle de l'enseignement. La nourriture nous parle de quoi? Nous parle de la sainte doctrine. La nourriture nous parle de quoi? Nous parle du message qui vient d'en haut. Et vous voyez que Dieu nous établit en tant que chrétiens comme étant des gestionnaires. C'est quoi un gestionnaire? Un gestionnaire, un supérieur, un maître. Un gestionnaire, c'est un homme, n'est-ce pas, à qui un maître confie une charge, une responsabilité, la gestion d'eux. Donc ici, il dit, quel est donc le gestionnaire fidèle et prudent? Donc ici, on apprend que les gestionnaires de Dieu doivent être fidèles. Il doit être intègre, il doit être prudent. Ça, c'est la première notion dans la réalité spirituelle du message du temps. Un gestionnaire doit être fidèle à Dieu. Il doit être fidèle à la sainte doctrine.
Il doit être fidèle à la parole de Dieu. Et pourquoi il doit être prudent? Justement parce qu'il y a des loups. Pourquoi la prudence? Parce qu'il y a des loups. Pourquoi la prudence? Parce qu'il y a des faux prophètes. Pourquoi la prudence, n'est-ce pas? Parce qu'il y a Satan qui veut ravir le troupeau de Dieu. Donc un gestionnaire doit être fidèle. Fidèle à son Dieu d'abord. Fidèle à l'enseignement biblique. Fidèle à la sainte doctrine de Christ. Fidèle à la parole de Dieu. Il doit être intègre. Un gestionnaire ne doit pas se retrouver dans le péché. Un gestionnaire ne peut pas voler le peuple de Dieu. Un vrai gestionnaire, n'est-ce pas? Il est fidèle à son Dieu, à la parole que Dieu lui a donnée. Et la deuxième caractère du gestionnaire ici, de l'esclave de Dieu, c'est la prudence. Pourquoi la prudence? Parce que justement, Satan veut détruire l'œuvre de Dieu. Pourquoi la prudence? Parce que justement, il y a des faux prophètes, il y a des faux pasteurs qui veulent épier la liberté des chrétiens. Et c'est que le gestionnaire est fidèle et prudent. Amen. Que le maître établira sur les domestiques de sa maison. Ça veut dire qu'en tant que chrétien, en tant que gestionnaire de Dieu, Dieu nous établit sur sa maison. Dieu nous établit sur l'église en tant que corps. Il nous établit sur les assemblées locales pour aider les frères et sœurs à avancer. Il dit que c'est quoi le rôle de ce gestionnaire? C'est de leur donner la nourriture au temps convenable. Quel temps pour quelle nourriture? Pourquoi? Pourquoi il est important de parler de ce thème? Quel temps, quelle nourriture? Ou du message du temps? Parce qu'on se rend compte aujourd'hui, n'est-ce pas, que beaucoup ne sont pas conscients du temps dans lequel nous sommes. Parce que regardez, il doit leur donner la nourriture au temps convenable. Donc la nourriture qu'il donne correspond au temps. Si on ne connaît pas en quel temps nous sommes, on ne peut pas nous donner la véritable nourriture. On a vu que la nourriture, c'est la parole de Dieu. La nourriture, c'est l'enseignement. La nourriture, c'est la doctrine de Christ. Mais quelle nourriture manges-tu? Si on ne discerne pas en quel temps nous sommes, nous ne pouvons pas, n'est-ce pas, donner la bonne nourriture au peuple de Dieu. Parce que justement, pour beaucoup de chrétiens, pour beaucoup de serviteurs de Dieu, Jésus ne revient pas bientôt. Pour eux, c'est un évangile basé sur l'homme, un évangile basé sur le social, un évangile social. Venir à Christ pour le mariage, pour le travail. C'est ça l'évangile qu'on nous prêche. Parce qu'on ne discerne pas le temps dans lequel nous sommes. Donc le message que Dieu nous donne dépend du temps dans lequel nous nous trouvons. Parce que rappelez-vous avec Élisée, fille de bonne mémoire. N'est-ce pas? À qui on donne les coloquins sauvages. C'est l'image d'un message qui est pollué. C'est l'image d'un message qui est dilué. Un message falsifié. Les coloquins sauvages. Rappelez-vous des eaux amères. Les eaux étaient polluées. Parce qu'on nous parle de la source de Dieu, on nous parle de Christ, qui est la source d'eau vive. C'est quoi le message du temps? Est-ce que le message du temps, n'est-ce pas, c'est venir à Christ pour le mariage, pour le travail, pour les enfants, pour devenir riche? Non! Si tu ne discernes pas en quel temps tu es, tu ne pourras pas donner le véritable message. Chrétien, si on ne sait pas en quel temps nous sommes, on va continuer à se laisser tromper. Quel est le message du temps? On le verra. Est-ce que le message du temps, c'est en continuant à encourager les chrétiens à vivre dans la dépravation, à vivre dans le péché, à vivre dans les ténèbres? Non! Ici, il dit que le gestionnaire, n'est-ce pas, doit être fidèle, il doit être prudent. Il doit donner la nourriture au temps convenable. Quel est le message que tu reçois dans ton assemblée? Quelle est la doctrine qu'on te prêche? Quel est l'enseignement que tu reçois? Est-ce que cet enseignement est basé sur la personne de Jésus ou c'est basé sur l'homme? Papa pasteur a fait ceci. Il était en voyage. Il faut fêter l'anniversaire de papa. Papa et maman pasteur. Est-ce le message que tu reçois? Un message qui est complètement dilué. Où on ne dénonce plus le péché. Où on ne dénonce plus les œuvres de ténèbres. Quel est le message que tu reçois? Parce que ne vous inquiétez pas, frère. À chaque temps correspond un message bien précis. Quel est le message que nous recevons, frère? Pourquoi? Parce que regardez, la nourriture qu'on reçoit, qu'on mange, conditionne notre croissance. Donc, si on est mal nourri, on va souffrir de la malnutrition, du kwashoko et de plusieurs autres maladies alimentaires. Voilà. Si on est mal nourri, si on est mal enseigné, parce que vous n'inquiétez pas, la parole de Dieu est la nourriture du chrétien.
L'enseignement, la nourriture du chrétien. Un chrétien mal enseigné, un chrétien mal nourri est un chrétien qui aura des problèmes spirituels. Un chrétien mal nourri, mal enseigné, c'est un chrétien qui sera toujours esclave du péché, esclave de sa chair, esclave des démons, esclave du monde, esclave des pasteurs. C'est parce que justement on est mal nourri. C'est parce qu'on n'est pas enseigné sur le véritable message, sur la véritable parole, qu'on se retrouve aujourd'hui à courir après les pasteurs qui nous volent, qui nous pillent, qui nous escroquent, qui divisent nos familles. Parce que justement, nous ne recevons pas le véritable message. On n'est que dans l'introduction, frère. Parce que nous ne recevons pas le vrai message. Prenons l'exemple d'un nouveau-né. Si on donne un enfant nouveau-né dès sa naissance, dans le poulet, la viande, on va le tuer. Si un vieux papa, n'est-ce pas, si un monsieur adulte, bien âgé, tout ça là, il donne le lait d'un bébé de 6 mois, on va lui causer des problèmes, des maladies. C'est-à-dire que le message que tu reçois, l'enseignement que tu reçois, n'est-ce pas, peut ou t'amener à t'attacher à Dieu ou à t'attacher à l'homme. Il y a deux optiques. L'enseignement que tu reçois, si ça ne t'amène pas à t'attacher à Dieu, ce n'est pas le vrai message. Si l'enseignement que tu reçois t'amène à t'attacher à ton pasteur, à ton prophète, à ton docteur, à ton assemblée, ce n'est pas le vrai message. Parce que le vrai message, on va le voir tout à l'heure. Les messagers que nous sommes ne sont pas censés amener, n'est-ce pas, les hommes à dépendre de nous attacher à nous. Parce que le message du temps, on va le voir tout à l'heure. Donc quel temps, quel message? Ou quel message, quel temps? Le message nous parle de la nourriture spirituelle. L'aliment spirituel. Quel aliment spirituel te nourrit? Si l'aliment spirituel qui te nourrit est frelaté, est pourri, c'est des indigestions. Et de la même manière que physiquement, il y a des enfants qui ont des problèmes de croissance, qui ont des problèmes de malnutrition, spirituellement aussi beaucoup de chrétiens ont ces maladies. De la même manière que physiquement, il y a des nains, il y a aussi des nains spirituels. Parce qu'ils ne sont pas bien nourris, ils ne sont pas bien enseignés. Parce que l'enseignement a pour but de bâtir nos vies. L'enseignement a pour but de nous affermir, de nous faire grandir dans la foi, dans l'espérance en Christ. Mais si le message que tu reçois est complètement pollué, ta foi va être polluée. Si le message que tu reçois est diabolique, ta foi, n'est-ce pas, va être diabolisée. Si le message que tu reçois t'amène à t'attacher aux hommes, à ton bâtiment, à ton assemblée, n'est-ce pas, donc ta vie va être ainsi. Si ton message que tu reçois t'amène à t'attacher à pasteur, papa, pasteur, maman, pasteur, frère, tu ne pourras pas te détacher de l'homme. Quel est le message que tu reçois? Quel est l'enseignement que tu reçois? Parce qu'à chaque temps, il y a une retour précise, frère. Regardez, on est toujours dans le même passage de Luc 12. S'il vous plaît, frère. Luc 12, on va lire à partir du verset 56. Luc 12, à partir du verset 56, s'il vous plaît. Luc 12, à partir du verset 56. Jésus dit ici, hypocrite, vous savez bien discerner l'aspect du ciel et de la terre. Et comment ne discernez-vous pas cette saison? Amen. Remontez un peu sous le verset 54. Voilà. Puis il dit encore aux foules, quand vous voyez un nuage se lever à l'occident, vous dites aussitôt, la pluie vient. Et cela arrive ainsi. Verset 55. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites qu'il fera chaud. Et cela arrive. Donc ici, Jésus nous apprend quoi? Qu'en tant qu'homme, nous arrivons à discerner les signes dans le ciel. Quand les nuages s'assombrissent, gardez un peu le passage sur l'écran, s'il vous plaît. Jésus apprend ce qui nous a donné l'intelligence pour discerner le temps dans lequel nous sommes. Il nous apprend que même naturellement, quand les nuages s'assombrissent, on peut dire, ah, il va pleuvoir. Facilement, quand on voit que les nuages sont clairs, on dit que le temps, il fera beau. Donc, c'est ce qu'il dit ici, que verset 54. Puis donc, aux foules, quand vous voyez un nuage se lever à l'occident, verset 54, vous dites aussitôt, la pluie vient. Et cela arrive ainsi. Parce que justement, Dieu nous a donné l'intelligence pour discerner le temps dans lequel nous sommes. Verset 55. Il dit, quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites qu'il fera chaud. Et cela arrive. Donc Jésus nous apprend quoi ici?
qu'à cause de l'intelligence naturelle qu'il nous a donnée, quand il fera beau temps, on peut dire là, il fera beau temps. Quand il va pleuvoir, on peut dire là, il va pleuvoir. Quand il fera froid, on peut dire là, il fera froid. Quand il fera chaud, on dit là, il fera chaud. Parce qu'il a de l'intelligence pour discerner la saison, pour discerner le temps dans lequel nous sommes. Mais il parle au pharisien, au scribe, verset 56. Il dit, hypocrite, vous savez bien discerner l'aspect du ciel et de la terre. Et comment ne discernez-vous pas cette saison? C'est ce que beaucoup de chrétiens font. C'est ce qu'on fait tous. On arrive à discerner les signes dans le ciel, l'aspect du ciel et de la terre. Mais en ce qui concerne les signes de la fin des temps, en ce qui concerne le temps dans lequel nous sommes, nous n'arrivons pas à discerner. Et Jésus dit qu'on est hypocrite. Hypocrite, pourquoi il dit hypocrite? C'est parce que justement on fait exprès. Voilà. Il nous a laissé tous les signes. Il nous a laissé les trois horloges. Et en fonction des trois horloges et de tous les signes qu'il nous a laissés, on est censé discerner le temps dans lequel nous sommes. Mais il dit qu'on est hypocrite parce qu'on arrive à discerner l'aspect du ciel, mais comment on n'arrive pas à discerner cette saison? Frère, la fin de toutes choses est proche. C'est le temps de rentrer dans l'arche. C'est le temps de revenir à la maison. C'est le temps de revenir comme le fils prodigue au Père, au Créateur. Toi qui t'es éloigné de Dieu, qui t'es écarté de Dieu, le Seigneur te demande de revenir à lui aujourd'hui. Parce que l'homme n'est pas maître de son souffle pour le retenir. Donc ici il dit hypocrite. Vous savez discerner les aspects dans le ciel. Mais comment n'arrivez-vous pas à discerner ces temps-ci? Nous sommes en quel temps? Nous sommes à la veille du retour de Jésus. Nous sommes à la veille de l'enlèvement de l'Église. Nous sommes à la veille du jugement dernier. C'est ça le temps dans lequel nous sommes. Avant de parler du message, il est important qu'on revienne sur le temps. Nous sommes en quel temps? C'est le temps de revenir à Christ. Nous sommes dans quel temps? C'est le temps de se nettoyer, de renoncer au péché. Nous sommes dans quel temps? C'est le temps, n'est-ce pas, de revenir au Père, au Créateur. C'est ça le temps. Nous sommes dans quel temps? Nous sommes à la veille de l'événement le plus redouté au monde, le retour physique du Mashiach. Ici, il dit, hypocrite, vous savez bien discerner l'aspect du ciel et de la terre, et vous n'arrivez pas à discerner cette saison. Pourquoi il est en train d'hypocrite? Parce que justement, Dieu nous a tout donné, frère. Tout est dans sa parole. Tout est dans la parole. Pourquoi on n'arrive pas à discerner les temps dans lesquels nous sommes? C'est parce qu'on ne lit plus la parole de Dieu. Imagine-toi que tu es dans un désert ou dans un lieu où tu es perdu. Si tu n'as pas de boussole, si tu n'as pas d'espèce de guide ou de GPS, comment peux-tu t'en sortir? Notre GPS spirituel, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu nous permet de discerner le temps dans lequel nous sommes. Paul a dit, c'est le temps de vous réveiller enfin du sommeil. Nous sommes dans quel temps? C'est le temps de se réveiller du sommeil. Nous sommes dans quel temps? C'est le temps de se sanctifier. C'est le temps de craindre Dieu, de fuir le péché, de fuir le mal, de fuir les eaux des ténèbres. C'est le temps de demander pardon à Dieu pour nos péchés. C'est le temps de demander pardon à Dieu pour l'avortement, pour la pornographie, pour la masturbation, pour l'adultère, pour l'infidélité, pour le mensonge, pour la haine, pour la méchanceté. C'est le temps de revenir au Père. C'est le temps dans lequel nous sommes. Et en fonction de ce temps, il y a un message. Donc ici, on apprend, n'est-ce pas, que Dieu nous traite des hypocrites. Parce que même les enfants à bas âge, quand ils voient les nuages, un enfant de 2 ans, 3 ans, on peut dire, maman, il va pleuvoir. Même un enfant de 4 ans, lorsqu'il voit que le temps est beau, il va dire, waouh, il fait beau temps. Parce qu'on arrive à discerner les signes dans le ciel. Mais le Seigneur nous reproche de ne pas discerner en quel temps nous sommes. Amen. Quel message pour quel temps? Donc ici, on apprend, n'est-ce pas, que Jésus traite ces pharisiens hypocrites parce qu'ils refusent délibérément de discerner en quel temps nous sommes. C'est quoi discerner? Le discernement nous parle, n'est-ce pas, de l'éveil. Nous parle du fait de comprendre. Nous parle, n'est-ce pas, de l'équilibre. Donc on préfère discerner cette saison, c'est le fait de réaliser. Ici, le discernement, c'est le fait de réaliser en quelle saison nous sommes. C'est le fait de connaître en quelle saison nous sommes. C'est le fait, n'est-ce pas, d'être éveillé par rapport au temps dans lequel nous nous trouvons. Quel temps, quelle nourriture. Amen. On va prendre un passage dans Romains. On est dans Romains chapitre 13.
Romains chapitre 13. À partir du verset 11. Romains chapitre 13, à partir du verset 11. Donc, on a d'abord de voir le temps, avant le message du temps. Il dit, et même vu le temps, c'est déjà l'heure de nous réveiller du sommeil. Donc, c'est quel temps? C'est le temps de se réveiller du sommeil. Quel sommeil? Le sommeil spirituel. Amen. Quand maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Voici une autre réalité spirituelle que Paul nous apprend ici. Que le salut nous parle de Yahweh. Le salut nous parle, n'est-ce pas, de la délivrance. Donc ici on dit, et même vu le temps, c'est déjà l'heure de nous réveiller du sommeil. Donc c'est quel temps ici? C'est le temps de se réveiller du sommeil. Pourquoi? Parce que la délivrance, parce que Yahweh, parce que Jésus, Yahushua, qui est notre salut, qui est notre délivrance, en train de revenir à grande vitesse, frère. Il dit, quand maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. C'est-à-dire que Jésus est plus près de nous qu'il y a 10 ans, 13 ans qu'on se convertit. Donc imagine-toi, tu te convertis en 2000. De 2000 à 2018, Jésus est plus proche de toi, est plus proche de revenir qu'en 2000. Puis tu te convertis en 98. Je t'ai converti en l'an 55, je ne sais pas, peu importe l'année. Mais l'année de ta conversion et le temps dans lequel nous trouvons, le retour du Seigneur est plus proche de nous. Le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Et ça, le temps dans lequel on est. Verset 12. Nous sommes dans quel temps? La nuit est avancée. Amen. La nuit est avancée. La nuit nous parle de quoi? Du péché. La nuit nous parle de l'obscurité. La nuit nous parle du mal. La nuit nous parle des ténèbres. Donc nous sommes en quel temps? Nous sommes dans le temps de la croissance du mal. La nuit est avancée. Satan ne fait que dégrader le monde. Satan ne fait que dégrader la moralité des hommes. Satan ne fait, n'est-ce pas, que conduire les hommes de plus en plus dans le mal. La nuit est avancée. La nuit nous parle du péché. La nuit nous parle du mensonge. La nuit nous parle de la pornographie. La nuit nous parle de Satan. La nuit nous parle des ténèbres. La nuit nous parle du mal, de la haine, de la méchanceté. La nuit nous parle du péché, de la croissance du mal. La nuit nous parle de quoi? Du royaume de Satan, du royaume des ténèbres qui a avancé. On dit quand le jour approche. Mais le jour aussi nous parle de quoi? Nous parle du salut. Le jour nous parle de quoi? Du jour de Yahweh, du jour des ténèbres qui est réputé pour être un jour, n'est-ce pas, terrible. Parce que le jour de Yahweh, c'est un jour de jugement. C'est un jour, n'est-ce pas, où le Seigneur viendra rendre à chacun selon ses œuvres, frère. La nuit est avancée. Le jour approche. Parce que la nuit est avancée, le jour approche. Quelle conduite devons-nous avoir? Rejetons donc les œuvres des ténèbres. Parce que la nuit nous parle des œuvres des ténèbres. C'est quoi les œuvres des ténèbres? C'est le péché. C'est les coutumes, c'est les traditions, c'est la sorcellerie, c'est la franc-maçonnerie, c'est la rose-croix, c'est la religion. Ça, c'est les œufs des ténèbres. Et Paul ici nous encourage à rejeter, à renoncer aux œufs des ténèbres. Parce que la nuit est avancée, parce que Yahweh arrive. Oh, il viendra sous les nuées et tout œil le verra. Ce jour grand, ce jour redoutable, ce jour terrible est en train d'arriver, frère. C'est le temps de nous nettoyer, c'est le temps de nous sanctifier. C'est le temps de revenir au Seigneur Jésus de Nazareth. Car les temps sont mauvais, frère. La nuit est avancée ici. Le jour approche. Le jour de Yahweh marche. Le jour de Yahweh marche. Il revient le Seigneur. On doit rejeter les œufs des ténèbres. Tout ce qui nous empêche de lui être agréable. C'est le temps de renoncer à ces choses. Pornographie, masturbation, ivrognerie, haine, méchanceté, jalousie, critique, calomnie. Renoncez à ces choses parce que le roi revient. Le roi revient. Donc il dit, rejetons donc les eaux des ténèbres et soyons revêtus des armes de la lumière. C'est quoi les armes de la lumière? C'est les armes d'Ephésiens 6. C'est le casque du salut. Quelles sont les pensées que tu nourris? Est-ce que tu as encore le casque du salut sur toi, sur ta tête? C'est quoi les armes de la lumière, n'est-ce pas? C'est le bouclier de la foi. Est-ce que ta foi est en bon uniforme avec Dieu? C'est quoi les armes de la lumière? C'est l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. C'est quoi les armes
de la lumière, c'est la ceinture de la vérité. C'est quoi l'exemple de la lumière? C'est la ceinture, c'est le chaussure de zèle, dans le casque du salut, l'épée de l'esprit, la ceinture de la vérité, le bouclier de la foi, la cuirasse de la justice. Voilà. Et les chaussures, qui donne les chaussures, le zèle. C'est quoi l'exemple de la lumière? C'est la sainteté. C'est quoi l'exemple de la lumière? C'est la vérité, c'est la justice, c'est la droiture, c'est l'intégrité, c'est l'honnêteté. C'est le temps de revenir au Père, c'est le temps de revenir au Créateur. Ce soir, je veux vraiment nous parler particulièrement de la part du Seigneur. C'est le temps de revenir à Dieu. C'est le temps de discerner dans quel temps nous sommes. Donc, ils sont en train de voir le temps dans lequel nous sommes. Et on est en train de voir la conduite qu'on doit avoir par rapport à ce temps. On n'est pas encore arrivé dans le message du temps. Verset 13, s'il vous plaît. Marchons honnêtement comme en plein jour. Quelle conduite devons-nous avoir pour marcher dans l'honnêteté comme en plein jour? Pourquoi? Parce que la lumière, dans la lumière, rien n'est caché. Sortons de cachotterie, sortons des ténèbres, des cache-cache. N'aimons pas le noir, n'aimons pas les ténèbres. Les ténèbres, c'est l'image de la séduction, c'est l'image de la légèreté, c'est l'image du mal. C'est le temps de revenir au Père, c'est le temps de revenir au Seigneur. Donc il dit, marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie, du concubinage et de la luxure sans bride, des querelles et des jalousies. Donc ici, condamne le péché, les orgies sexuelles. C'était des repas, n'est-ce pas, accompagnés de des rapports sexuels complètement désordonnés. Donc on a renoncé à ces choses, à l'échangisme. Voilà, plusieurs partenaires vont ensemble en même temps. Ils échangent les femmes et les maris. On nous parle de l'ivrognerie. Parce qu'il y a des chrétiens qui vont tous se baser sur le palais des noces de Canaan pour dire Dieu à Jésus a transformé l'eau en vin, on doit boire le vin. Jésus a demandé à qui de boire le vin. Et puis on va s'enivrer et on va accuser le Seigneur alors qu'on aime les alcools, on aime les bars. Jésus a envoyé quelqu'un au bar. À Canaan ici, ce n'était pas dans un bar. Ce n'était pas dans une maison. C'était lors d'un mariage, une célébration de mariage. Donc on va renoncer au concubinage. Même si tu vis avec un homme 20 ans, 50 ans, tous tes parents le connaissent. Si tu n'as pas marié devant les autorités civiles, devant ta famille, vous n'êtes pas marié. Voilà, c'est le concubinage. La luxure. Voilà, la luxure, on parle de l'impudicité, du sexe. On doit renoncer à des choses aux querelles. Les chrétiens aiment les disputes. Les querelles, les disputes. Les clameurs, on aime crier. Gronder les autres, menacer les autres, les querelles, tout le monde essaie de se disputer. On doit sortir des jalousies. On aime envier, on envie les autres, on jalouse les autres. Verset 14. Mais soyez revêtus du Seigneur Jésus-Christ et ne prenez pas soin de la chair pour accomplir ses désirs. Quelle conduite devons-nous avoir par rapport à ces temps? On doit se revêtir du Seigneur Jésus. La conduite à avoir dans ces temps, c'est de se revêtir de Jésus. Jésus est notre habit, il est notre vêtement. Oh, alléluia. Oh, que Dieu nous aide, frère. Notre vêtement, c'est Jésus. Notre justice, c'est Jésus. Notre sainteté, c'est Jésus. On doit se revêtir de Jésus, s'habiller de Jésus. Et la Bible nous pas dit quoi? Si on ne doit pas avoir soin de la chair pour accomplir ses désirs. Nous sommes dans quel temps? C'est le temps de se réveiller du sommeil. Nous sommes dans quel temps? C'est le temps où les ténèbres sont avancées. Nous sommes dans quel temps? Nous sommes dans le temps où le jour approche. Nous sommes dans quel temps? Nous sommes dans le temps où on doit se revêtir des âmes spirituelles, des âmes de la lumière de Christ. Alléluia. Frère, que Dieu nous aide à sortir du sommeil. Que Dieu nous aide à nous réveiller. Donc ici, on a un peu parcouru par la grâce du Seigneur le temps dans lequel nous sommes. Et en fonction de ce temps, il y a un message bien précis. Et comme on l'a vu tout à l'heure, le message, l'enseignement qu'on reçoit bâtit et conditionne notre croissance spirituelle. Prenons vite un passage dans 1 Pierre, chapitre 2, à partir du premier verset, s'il vous plaît. Donc après ce passage, on rentre dans le message du temps.
1 Pierre chapitre 2 à partir du premier verset. Ayant donc rejeté toute méchanceté et toute espèce de tromperie et d'hypocrisie et d'envie et de toute diffamation, désirez ardemment comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur afin que vous croissiez par lui. Amen. Verset 3. Si toutefois vous avez goûté combien le Seigneur est bon. S'il vous plaît, frère, regardez un peu le passage sur l'écran. Verset 2 dit, désirez ardemment comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur. Donc l'enseignement qu'on doit recevoir doit avoir deux notions. Deux bases de l'enseignement biblique. Un, le lait, la parole de Christ, l'enseignement qu'on doit recevoir doit être d'abord spirituel. C'est-à-dire bâti sur la personne de Jésus. Il doit être pur. Pourquoi? Pourquoi ce lait doit être spirituel? Parce qu'il y a des enseignements qui viennent toujours de l'enfer. Vous allez peut-être dire qu'on revient sur les mêmes choses, mais ce n'est pas grave. La répétition est salutaire. Les enseignements tels que, n'est-ce pas, venir à Jésus pour le mariage, tels que l'évangile de la prospérité, de la couverture spirituelle, l'évangile d'envoyer le feu à nos ennemis. Ça là, ce n'est pas un évangile, c'est pas un enseignement spirituel. Excusez-moi, frère. Un enseignement qui va t'amener, qui va te dire, bon, Jésus est amour, tu peux venir avec ton petit copain, on va vous suivre 1 an, 2 ans, vous pouvez continuer à être ensemble, ça va aller un peu. Ça là, ce n'est pas un lait spirituel, ce n'est pas un enseignement spirituel. Un enseignement qui va te dire, n'est-ce pas, que si tu ne payes pas ta dîme, tu iras en enfer, ça c'est pas spirituel, c'est complètement diabolique et charnel. Dans le contraire d'enseignement spirituel, c'est un enseignement charnel. Il y a beaucoup d'enseignements qui sont complètement charnels. Ils n'ont pas de fondement biblique. Amen. Et la deuxième condition dans l'enseignement, n'est-ce pas, le vrai message, c'est que le message doit être pur. La pureté nous parle de la vérité. La pureté, n'est-ce pas, nous parle de la sainteté. Ça veut dire que le message qu'on nous enseigne, qu'on nous transmet, doit nous amener à craindre Dieu. Le véritable enseignement doit nous amener à nous sanctifier, doit nous amener à être purs, justement. Car comme on l'a vu dans Matthieu 5, là-bas, tout ça là, que heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Donc on comprend que le véritable enseignement, le but de nous rendre purs. Mais frère, si tu es dans une assemblée depuis 2 ans, non, 2 ans même c'est trop loin. Tu es dans une assemblée pendant même seulement 6 mois. Depuis que tu es rentré, tu es le même. Toujours dans le péché, fuis de là. Oui, c'est que l'enseignement que tu reçois ne t'amène pas à t'attacher à Christ. Parce qu'il y a une condition. Si tu viens dans une assemblée, n'est-ce pas, où le véritable message est prêché, tu vas fuir de là. Si c'est toi qui as un problème, tu vas fuir de là. C'est clair. Donc ici, il dit que le lait spirituel, il doit être pur. C'est ça la pureté, la clarté. L'enseignement biblique doit être clair, limpide, sans détour. Parce que regardez. Aujourd'hui, les chrétiens écoutent plus leur pasteur, leur prophète, leur prêtre qu'ils n'écoutent Dieu. On écoute beaucoup plus l'homme que Dieu. Donc ici, on apprend que le lait spirituel, l'enseignement qu'on doit recevoir, doit être pur. Il doit être spirituel. Spirituel, pourquoi? Parce que ça doit venir d'en haut. C'est la connexion. Pur, pourquoi? Parce que c'est basé sur la parole de Dieu. La parole de Dieu est pure. Amen. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire par rapport au message du temps. L'enseignement qu'on reçoit doit être pur et il doit être spirituel. Donc si tu reçois un enseignement qui n'est pas spirituel, qui n'est pas pur, il faut fuir, parce que ça ne vient pas de Dieu. Et il dit, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, la suite du passage, approchez-vous de lui. Quelque chose de bon, c'est quelque chose qu'on goûte. On doit goûter Jésus. Alléluia. Que Dieu vraiment nous aide à sortir du sommeil. Que Dieu nous aide à sortir de l'assoupissement. Maintenant, quel est le message du temps? Amen. On est dans Matthieu 25, la parabole des vierges. Matthieu 25, à partir du premier verset. Quel est le message maintenant? On a vu qu'à chaque temps correspond une nourriture. Donc, qu'est-ce qu'on peut comprendre déjà ici? Que si la nourriture qu'on reçoit ne correspond pas à notre temps, on ne peut pas bien grandir spirituellement. Si la nourriture qu'on reçoit, n'est-ce pas, ne correspond pas à notre temps, on ne peut pas avancer avec Dieu. Amen.
Donc on est dans Matthieu chapitre 25 à partir du premier verset. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Donc on va lire ensemble. Donc ici déjà on apprend quoi au premier verset? Que le royaume des cieux est comparé ici à 10 vierges qui ont pris leur lampe. Les lampes, c'est l'image de la parole de Dieu et qui sont allées à la rencontre de l'époux. Parce que le message du temps doit nous amener à aller à la rencontre de l'époux. Donc ici, on nous parle du royaume de Dieu, qui est une image qui est prise ici, voilà, qu'on compare à 10 vierges. Pourquoi la virginité? Parce que la virginité nous parle de la sainteté, la virginité nous parle de la pureté. Donc on comprend ici que, comme au début, n'est-ce pas, les 10 étaient purs, les 10 étaient vierges, les 10 craignaient Dieu, et les 10 allèrent toutes à la rencontre de l'époux. Ici, on n'a pas mis de distinction. Donc, on comprend qu'il y avait 10 vierges qui craignaient Dieu, qui avaient des lampes, qui avaient la parole véritable, parce que l'homme, c'est la parole, l'enseignement pur, et qui allaient toutes à la rencontre de l'époux. Parce que les faux chrétiens ne peuvent pas aller à la rencontre de l'époux. Non, non, non. Donc, ici, on apprend que les 10 allèrent à la rencontre de l'époux. Verset 2 maintenant. Donc, on comprend que du verset 1 au verset 2, quelque chose est passé, l'apostasie est rentrée. Verset 2. Or, cinq d'entre elles étaient sages et cinq folles. Donc ici, on apprend qu'elles ont toutes bien commencé, mais dans la marche, cinq sont restées sages. La sagesse, c'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Donc cinq ont gardé leur virginité et ont gardé la crainte de Dieu. On dit que cinq sont devenues folles. Donc ici, on apprend que les cinq là ont perdu la parole véritable. Les cinq là, n'est-ce pas, ont perdu la vision du ciel. Les cinq folles ont perdu la notion du temps dans lequel elles étaient. Les cinq là, on dit qu'elles étaient, on appelle les cinq étaient sages et cinq étaient folles. Donc des vierges folles. Donc si elles avaient la virginité, malgré leur folie, c'est qu'elles avaient quoi? Les apparences de la piété. C'est ça. Elle était plus vierge. C'est pas possible d'être vierge et d'être folle. C'est pas possible. Parce que la folie sur la parole de Dieu, c'est l'image du péché. Voilà. La folie, c'est l'image du façon, c'est le fait d'être insensé, d'être inconscient. Donc on voit ici que l'apostasie est rentrée, l'abandon de la foi est rentré. Et cinq sont devenus folles. Elles ont perdu la vie de Dieu. Ils ont perdu la nature du Seigneur. Ils ont perdu la vision du ciel. Verset 3. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent pas d'huile avec elles. L'huile, l'image du Saint-Esprit. L'huile, l'image de la communion avec le Père. L'huile, l'image de l'onction, de la sainteté aussi. Donc les folles n'ont pas pris, ont pris les lampes sans le Saint-Esprit. Alors c'est quoi ici? Qu'est-ce qu'on comprend par le message du temps? C'est que les folles avaient la lampe, elles avaient la parole de Dieu, mais leur message était déjà dilué parce qu'il n'y avait plus le Saint-Esprit. Ah, c'est ça. Comme beaucoup de l'assemblée, beaucoup de pasteurs n'ont plus le message, ils ont la lettre. Mais Paul a dit quoi? C'est Christ, je crois qu'il a dit. L'Esprit vivifie, mais la lettre tue. C'est Jésus, oui. Donc les folles ont pris les lampes, elles ont pris la parole de Dieu. Mais il n'y avait plus le Saint-Esprit. Donc l'enseignement spirituel est pur, c'est un enseignement message qui est conduit par le Saint-Esprit. C'est quoi le message du temps? C'est un message qui est inspiré par le Saint-Esprit, qui vient de là-haut. Donc ici, les folles avaient les lampes. Donc elles avaient la parole. Mais cette parole n'était plus centrée sur la personne de Jésus. Comme dans beaucoup d'assemblées, on ne prêche plus le retour du Seigneur. On prêche la terre. La prospérité. On prêche complètement la terre. On enseigne aux chrétiens à attacher la poussière à la vanité. Verset 4. Mais les sages prirent de l'huile dans leur vase avec leur lampe. Ça, c'est l'église véritable. Donc, on voit ici qu'il y a deux types d'églises. L'église apostate, les cinq folles, et l'église véritable. Donc, l'église véritable, c'est l'église qui a le message du temps. Pourquoi? Parce que l'église véritable a le Saint-Esprit. Amen. Parce que l'Église véritable a le Saint-Esprit. A le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit
qui inspire le message du temps. Verset 5. Et comme l'époux tardait à venir, elle s'assoupit et s'endormit toutes. Donc on apprend ici qu'à cause du fait que le Seigneur tarde, et les faux et les vrais, n'est-ce pas, peuvent connaître des temps d'assoupissement et d'endormissement. Amen. C'est écrit dans la Bible. C'est-à-dire qu'on peut avoir des temps où on a du mal à prier, où on a du mal à méditer, des temps là où on se sent lourd, parce que justement, comme les Jésus tarda à venir, ici sont la parabole, elles s'assoupirent et s'endormirent toutes. Et les fausses et les vraies. C'est-à-dire qu'à cause des temps difficiles, on peut baisser quelque peu dans la prière, dans la méditation. Mais n'oublions pas que la différence a été faite depuis le début. Les vierges n'ont pas cédé devant le péché. C'est pourquoi elles ont gardé, on les appelle des vierges sages. Donc malgré l'assoupissement et l'endormissement de l'église véritable, elle ne peut pas demeurer, elle ne peut pas vivre, elle ne peut pas accepter le péché. Elle ne peut pas accepter la corruption, la compromission, l'injustice, elle ne peut pas accepter le mal. Amen. Donc ce n'est pas au niveau ici de l'assoupissement et de l'endormissement que la distinction s'est faite, c'est depuis le début. Amen. Or, au milieu de la nuit, il se fit un cri, disons, au verset 6. On dit, or, au milieu de la nuit, se fit un cri, disons. Le milieu de la nuit nous parle de minuit. Amen. Minuit nous parle de la croissance du mal, des ténèbres, des hautes ténèbres. Minuit, n'est-ce pas, nous parle du mal qui atteint son paroxysme. Donc il dit, or, au milieu de la nuit, on entendit un cri. On peut remettre le passage, frère, s'il vous plaît. Or, au milieu de la nuit, il se fit un cri. Il se fit un cri. Ce n'est pas le cri de minuit de Kakou Philippe. Le cri de minuit de Kakou Philippe est diabolique. Parce qu'ici, on va dire comme non, la Bible nous parle d'un cri qui a eu lieu à minuit, au milieu de la nuit, c'est le cri de Kakou Philippe. Kakou Philippe n'est pas un serviteur de Dieu. C'est un impie, c'est un antichrist. Ça n'a rien à dire. Parce que si quelqu'un dit que Dieu a tant aimé le monde qui a donné Kakou Philippe afin que vous soyez sauvés par lui, ça, ce n'est pas Dieu. Quand il s'est fait passer comme étant le prophète du temps. Il n'y a plus de prophète du temps. Amen. Le prophète par excellence est Jésus. Donc, au milieu de la nuit, il se fit un cri disant, voici l'époux vient aller à sa rencontre. Voici le message du temps. Le message du temps, frère, c'est voici l'époux vient aller à sa rencontre. Il n'y a pas d'autre message en dehors de celui-là. On peut prêcher la sainteté, la crainte de Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu. Tous ces enseignements se retrouvent dans celui-là. Se préparer à la rencontre de l'époux. On peut prêcher, n'est-ce pas, le renoncement aux œuvres mortes, la foi en Dieu, la doctrine des baptêmes, l'affermissement. Tous ces enseignements vont dans ce sens. Voici l'époux. Aller à sa rencontre. Donc c'est quoi le message du temps? C'est voici l'époux, aller à sa rencontre. Donc si dans ton assemblée, on ne te presse pas que Jésus revient, il faut sortir de là. Parce que le temps dans lequel nous sommes, c'est le temps de prêcher, voici l'époux, aller à sa rencontre. Parce que ce soit au Gabon, au Cameroun, au Nigeria, en France, aux États-Unis, en Afrique, en Europe, en Asie, partout en Amérique, dans les nations, il y a des voix que Dieu a suscitées. Pour réveiller son peuple, pour dire à son peuple que voici l'époux, allez à sa rencontre. Allons-y tous à la rencontre de l'époux. Parce qu'il revient. Comment aller à la rencontre de l'époux? Sans nous sanctifiant, sans craignant Dieu, sans faire le péché, sans faire la corruption, la compromission. C'est ça aller à la rencontre de l'époux. Oh, c'est ça le message du temps. Voici l'époux vient et allons-y tous à sa rencontre. Alléluia. Oh, que ce soit l'enseignement sur le pardon. Sur le cœur, sur la croix, tous ces messages-là vont dans le sens de nous préparer à la rencontre de l'époux. Les enseignements n'ont pas pour but de faire de grands pasteurs. Le but de l'enseignement, c'est de nous bâtir afin qu'on soit prêt quand Jésus reviendra. Dans le message du temps, voici l'époux, allez à sa rencontre. Le message du temps ici, ce n'est pas venez à moi, venez dans mon assemblée, venez dans mon bâtiment. Non, le message du temps, c'est un, voici l'époux. Jésus est là, allez à sa rencontre. Quel temps, quel message. Quel temps, quelle nourriture. La véritable nourriture que nous devons recevoir dans ces derniers temps, dans ces derniers jours, c'est voici l'époux, allez à sa rencontre. Parce que frère, ouvrons nos yeux spirituels
Jésus est là. Il est en train de revenir. C'est pourquoi on doit régler nos vies. Quel est le message du temps? C'est voici l'époux, allez-y à sa rencontre. J'aimerais pendant un instant interpeller tous les véritables enfants de Dieu, mais qui passent par des temps compliqués. J'aimerais interpeller tous les vrais enfants de Dieu qui ont rencontré le Seigneur en esprit et en vérité. Même si tu es tombé, même si tu es tombé, sache que Dieu te tend la main. Le Seigneur ne te condamne pas. J'aimerais aussi parler à tous les chrétiens, n'est-ce pas, les vrais chrétiens qui passent par des temps d'assoupissement, par des temps d'endormissement. Le Seigneur est là pour nous réveiller. Crions à lui. Il est la résurrection et la vie, frère. J'aimerais aussi parler aux faux pasteurs, à ces hommes qui ferment le royaume de Dieu aux chrétiens. Jésus vous voit. Et la grâce est aussi encore disponible pour vous. On peut repartir dans le passage, s'il vous plaît. Voici l'époux, allez à sa rencontre. C'est le message de l'heure, c'est le message du temps. Or, au milieu de la nuit, il se fit un cri disant, voici l'époux, viens aller à sa rencontre. C'est le temps d'aller à la rencontre de l'époux. C'est ça le message. Allons-y à la rencontre. Préparons-nous, n'est-ce pas, à l'arrivée du Seigneur. Verset 7. Alors, quand le cri est arrivé, alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Quand l'époux vient, n'est-ce pas, on est obligé de se réveiller. Le réveil spirituel, le réveil du sommeil. Verset 8. Et les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent. Donnez-nous de votre huile. On ne partage pas le Saint-Esprit. On ne partage pas son intimité avec Dieu. On ne partage pas sa communion avec Dieu. Non. Non. Non, frère. Mais les sages, verset 9, répondirent en disant, non, de peur que nous n'en ayons pas assez pour nous et pour vous. Mais allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous-même. C'est une image, on n'achète pas le Saint-Esprit. On n'achète pas la parole de Dieu, c'est une image. Voici les poux à la faire rencontre. Verset 10. Or, pendant qu'elles allaient en acheter, les poux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, puis la porte fut fermée. Après cela, les autres vierges vinrent aussi et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il leur répondit et dit, Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Verset 13, pour finir. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. Amen. C'est quoi le message du temps? C'est craignons Dieu. C'est quoi le message du temps? C'est sanctifions-nous. C'est quoi le message du temps? Voici l'époux, allons-y à sa rencontre. Oui, c'est ça le message du temps. Le message du temps n'est pas de dire aux chrétiens, dépensons encore des millions et des millions, des 50 millions pour construire des bâtiments. Comment allons-nous dépenser 50, 60, 90 millions pour, n'est-ce pas, construire des grosses cathédrales, alors qu'il y a des veuves, des orphelins, on n'en fait pas cas. Le message du temps, n'est-ce pas, c'est pas dire aux chrétiens, Jésus, vous avez accepté le Seigneur, vous pouvez vivre comme vous voulez dans le péché. C'est pas ça le message. Le message du temps, c'est voici l'époux vient, allons-y tous à sa rencontre, frère. Je ne parle avec aucune prétention. Moi-même, je me bats pour être prêt pour ce jour. Car nous qui partageons la parole de Dieu, comme la Bible le dit, on sera jugé plus sévèrement. C'est pourquoi je veux craindre Dieu. Je veux aimer Dieu. Je veux me sanctifier, frère, pour ne pas rater ce jour. Que Dieu vraiment nous aide, frère. Parce que le temps dans lequel nous sommes, c'est le temps de se réveiller du sommeil. Jésus revient bientôt. Jésus sauve. Jésus délivre. Jésus pardonne. Peu importe nos péchés, peu importe nos fautes, peu importe ce qu'on a pu commettre comme action, Jésus veut nous pardonner aujourd'hui. Aujourd'hui, là, la grâce est encore disponible. Aujourd'hui, le pardon est disponible. Demain, il pourra être trop tard. C'est pourquoi saisissons la grâce du Seigneur, revenons au Seigneur, frère. Donc, c'était un peu ce que Dieu a mis dans mon cœur pour partager avec vous sur le message du temps.
C'est quoi le message du temps? C'est voici l'époux. Allons vivre à sa rencontre. Que Dieu vraiment nous aide à le craindre, que Dieu nous aide à nous sanctifier, que Dieu nous aide à fuir le péché, car Jésus revient bientôt. Donc on était ce soir sur l'émission Réveillez-vous. Et le thème c'était quel est le message du temps? Que la parole de Dieu produise en nous la vie, qu'elle produise en nous la repentance, qu'elle produise en nous l'attachement à Dieu, que Jésus nous garde, qu'il nous aime. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée chez vous.